D'entre vous sur le plateau de Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Grâce, votre hôte, et nous sommes sur Les Boss Ladies à Évangile TV. Et ce soir, oulala, ce soir, je suis avec des femmes formidables, merveilleuses, incroyables, extraordinaires, mirifiques, magnifiques, élégantes. Et aujourd'hui, on va parler de choses tellement inspirantes. Il y aura, ça va vous inspirer, ça va vous booster, ça va aussi vous challenger. Yes. Chacune d'elles a une expérience bien particulière. Et en fait, avant de présenter certaines personnes que vous avez déjà l'habitude de voir ici, j'aimerais présenter quelqu'un qui nous vient vraiment de façon très, très spéciale. Je l'ai invité parce que cette femme a décidé d'oser. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Restitution ». Oh, waouh! Éléonore Guédé qui est avec nous ce soir! Bienvenue, très chère! Merci, Pasteur Grâce. Merci à toutes mes sœurs qui sont ici ce soir sur ce plateau. Je suis très honorée d'être là ce avec soir plaisir. Pour du coup, vous parler, vous présenter un peu Restitution. Waouh! Et je crois que nous allons être bénis. En tout cas, merci encore pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. C'est un plaisir pour moi d'être là. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, vous l'avez entendu, Éléonore a écrit un livre qui s'appelle Restitution, qui est déjà disponible sur Amazon, c'est cela? Le 1er décembre. Le 1er décembre, il sera prêt. Mais vous allez passer de très bonnes fêtes de Noël. Exactement. Vous savez quel cadeau offrir à une femme. Voilà. Il n'y a plus besoin de réfléchir, c'est déjà tout fait. Le 1er décembre, sur Amazon, vous pourrez donc vous procurer le livre Restitution. Et durant tout le long de cette émission, nous aurons aussi l'occasion de parler de ce livre. Elle va nous partager ce qu'elle a écrit, pourquoi elle a écrit ce livre, et puis pourquoi le nom, pourquoi le titre Restitution. Voilà, elle va tout nous dire. Et juste à côté d'elle, vous avez maintenant l'habitude de la voir. Nous sommes avec la merveilleuse Kate. Bonjour tout le monde. Voilà, vous me connaissez déjà. j'ai parlé aussi de mon témoignage avec mon mari. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette émission, ça va vraiment vous bénir. On va vraiment partager des choses. Amen. Et voilà. Amen. En tout cas, nous serons bénis, Kate. Ça, c'est une certitude. Amen. Et tout près de moi, il y a la grande Mylène. Voilà. Ouais, c'est moi. Elle a dit « Ouais, c'est moi ». Donc bonjour, donc encore merci pour l'opportunité, Pasteur Grâce. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir, quoi. Donc je sens que l'émission sera bénissante, inspirante et pourra vraiment booster des femmes. C'est vrai. À oser et avoir confiance en elles, quoi. Amen. Amen. Amen pour cette émission. Amen. Amen. Et une nouvelle chronique sur les Boss Ladies Show. Il y a avec moi Astrid. Astrid, je suis trop contente que tu sois sur ce plateau. Amen, merci. Moi, je suis vraiment honorée, Pasteur Grâce. Amen. Je suis vraiment contente d'être dans ce plateau et d'être avec vous toutes. Et vraiment, je te remercie pour l'opportunité. Avec plaisir. Et vraiment, soyez concentrés parce que vous allez vraiment recevoir des clés qui vont vous libérer, vous délivrer. Amen. Et vous irez à un autre niveau. Amen. Wow. Restez focus. Amen. Yes. Wow. Amen. Alors, restez focus. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, nous allons aborder 4 clés pour gagner confiance en toi, ma chérie. Oui. Et on est venu pour ça aujourd'hui, c'est de te booster et de te donner de la confiance en toi-même. Parce que sans confiance en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas pouvoir réaliser, accomplir. Et pas plus tard qu'avant-hier, je réécoutais un podcast que j'avais fait il y a très longtemps. Et dans le podcast, je disais que, ah oui, je réalise que ma confiance en soi est aussi liée à ma foi. Plus je grandis dans ma foi pour Dieu, plus j'ai confiance en moi-même. Parce que ma foi en Dieu me montre aussi mon identité. Et donc, c'est pas que j'ai trop confiance en moi, en mes capacités, en qui je suis. Ce n'est pas le fait de me confier en l'homme, en moi-même, mais c'est le fait de me confier en Dieu qui fait que ma confiance en moi-même grandit. Amen. Et je suis convaincue que chacune d'entre vous, vous l'avez déjà expérimenté parce que ben, vous étiez avant pas chrétienne, maintenant vous êtes chrétienne. Mm-hmm. Est-ce que ça a joué un rôle en fait dans votre confiance en vous-même? Bah, absolument, parce que grâce, effectivement, quand on arrive au Seigneur, forcément, on arrive avec un passé et on peut être vraiment brisé au niveau de notre confiance en soi. Et moi, je reconnais que c'est par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu m'a aidée vraiment à avoir confiance en moi-même et la prière, en fait. Et j'ai compris que plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on passe du temps dans la prière, en fait, il y a une force surnaturel, forcément, la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, en fait, nous emmène forcément à pouvoir, en fait, nous repositionner et à gagner, en fait, confiance en nous. Donc, c'est une réalité. La confiance en soi, on ne peut pas, elle ne s'acquiert pas comme ça. C'est vraiment dans notre relation avec Dieu que cette émission va être intéressante. Amen. Les filles, peut-être vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je voulais aussi dire que c'est un processus. En fait, il ne faut pas s'attendre forcément à aller de 1 à 10 du jour au lendemain. C'est vraiment un processus et ça va dépendre de votre marche avec Dieu. Si vous êtes focus, si vous êtes concentré sur Dieu, si vous grandissez avec lui, vous allez voir que vous allez forcément gagner en confiance. Moi, du coup, je vais dans le même sens qu'Éléonore parce que j'ai aussi connu la parole de Dieu très tôt lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est vraiment, en fait, en lisant la parole quotidiennement que je me suis vraiment fortifiée. Et en apprenant, en voyant son amour, en apprenant aussi à connaître qui il est, et j'ai pu m'identifier. J'aime vraiment ce qu'elle dit sur le fait du processus, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu quand, par rapport à ma vie professionnelle, où on m'a dit, ben, madame, vous n'allez pas y arriver, vous allez échouer dans la profession dont vous rêvez, quoi. Donc, au pire. Surtout que toi, ils se sont trompés. On dit, à la limite, mais il n'y a pas de place, c'est bouché. Donc, au final, faut vous suffire en fait de cette profession et vous y serez pas forcément épanoui, mais ce sera quelque chose de sûr, quoi. Et vraiment, je l'ai fait parce que vraiment, il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là et que il fallait bien que je travaille, quoi. Mais vraiment, en développant ma foi, en développant ma confiance en moi, en voyant vraiment que j'étais capable, que ce processus, en fait, même s'il était dur, mais j'allais y arriver, mais finalement, j'y suis arrivée. Quoi. Amen. 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 Toi, t'es une championne. Cette fille, c'est une championne parce qu'on lui a fait croire qu'elle ne pourrait pas y arriver. On va dire, tu t'es contentée à être prof de maths alors qu'elle visait autre chose. Et là, aujourd'hui, elle a emmené sa foi à une autre dimension. Et c'est quoi ton nouveau métier? Je suis chimiste en laboratoire. Elle est chimiste. Ah, voilà. Si c'est pas une boss lady, ça. Et c'est ma 12. Non, mais parce que je suis fière de vous. En fait, je suis fière de vous parce que vous n'êtes pas juste. Enfin, je dis juste, c'est pas comme si être chrétienne, c'est rien. Mais je veux dire, vous êtes des femmes, vous servez le Seigneur, quoi. Tous les dimanches, on vous voit à l'église, même toi, Kate, vous êtes à fond dans le Seigneur. Et ce que j'aime, en plus, Kate est mariée déjà, en plus. Et ce que j'aime, c'est que au-delà du fait, en fait, d'être chrétienne, de servir Dieu à la maison, vous faites des choses à l'extérieur, quoi. Biochimiste, quoi. Wow. Moi, je sais pas comment on fait pour commencer à être biochimiste.
Hein? On étudie, on... Voilà, on étudie. Est-ce que ça t'arrive de tester des trucs à la maison? Tu fais des mélanges, tu prends du coca et tu mélanges avec un peu de Javel. Ça va pas marcher. Je ne peux pas déconner une boîte. Moi, mon niveau de biochimie, ça s'arrête là. C'est pas trop ça, mais moi... Ouais. Mon niveau à moi de biochimie, ça s'arrête quand j'essaye de mélanger le coca et l'oasis ou le Fanta pour voir le goût que ça donne. Non, c'est pas trop ça, mais bon, finalement, moi, j'ai décidé de séparer ma vie professionnelle et ma vie personnelle, parce qu'avant, dans mon ancienne profession, tout était entremêlé, j'avais pas vraiment de séparation, quoi. Donc vraiment, quand c'est le travail, ça reste au travail, je fais pas de mélange chez moi, quoi. Ouais. Et vraiment, j'y pense, mais je vais pas spécialement l'introduire chez moi, quoi. Tu vas créer des marques de cosmétiques et tout ça. Oui, aussi. On va créer aussi, ça. Aussi, aussi. Attends, je peux pas avoir une douce comme ça, puis je crée yes, ça va faire. Il y a du business à ce Ça arrive, ça arrive. Ah, waouh. Et toi, Kate, du coup, est-ce que le fait d'être venue en Christ t'a donné aussi confiance en toi-même et voilà, ce courage de faire des choses que tu n'aurais peut-être pas osé faire avant? Alors, pour ma part, en fait, c'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement juste dès que j'ai commencé à décider de marcher avec Christ. Mais en fait, j'avais envie de rajouter par rapport à ce que toutes les filles ont dit, c'est par rapport, en fait, c'est aussi en lien avec le cadre, en fait. Le cadre dans lequel on nous a mis, en fait, donc, dans notre éducation, comment on a grandi. Yes. Et en fait, pour ma part, moi, ce que j'avais vécu depuis toute petite, c'était la timidité, en fait. Et aussi... J'ai envie de dire, parce que comme j'ai grandi en tant que fille unique, j'avais pas forcément des frères et sœurs à côté de moi. Et donc, j'ai dû apprendre très tôt à faire les choses toute seule, en fait. Et donc, c'est là où il fallait que j'apprenne à savoir qui je suis, en fait, de quoi j'étais capable de faire. Et c'est parti de quelque chose de très simple. Ma mère me disait, il faut que tu ailles acheter une baguette. Et moi, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Je me suis dit, en fait, comment ça va se passer? Qu'est-ce que la dame va me dire? Il y a des petites choses comme ça. Et c'est parti de ça, en fait. Et en fait, aujourd'hui, quand je repense, peu importe le cadre, si on peut dire, religieux, mais mes parents m'ont fait comprendre que Dieu était là, en fait, avec moi. Donc, c'est pour ça que c'est bien. On parle de connaître la parole de Dieu, mais aussi d'être conscient qu'on a bien un Père qui est là, en fait, qui nous a mis au monde. C'est deep, j'aime bien ce que tu dis là, et tu sais, parfois on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup... En fait, le manque de confiance en soi déjà provient en fait d'une blessure quand on est enfant, ou d'une cassure quand on est enfant, ou de quelque chose qui ne s'est pas correctement formé en nous, en fait, fait que parfois on a ce manque de courage pour faire les choses, on n'ose pas trop, on est réservé ou timide, etc. Et en fonction du cadre familial dans lequel on a grandi, certains parents vont nous pousser justement à faire les choses, et d'autres un peu moins, peut-être parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce manque de confiance en nous-mêmes nous guette. Et donc le premier point, la première clé, c'est être soi-même. Être soi-même. Lydie, toi, ça t'évoque quoi, en fait, le fait d'être toi-même et de te dire que voilà? Alors, quoi, moi, je pense qu'il ne faut pas se créer une image qui n'est pas la nôtre, en fait, comparer à quelqu'un, de s'approprier une sorte de personnage, en fait, qui n'est pas nous-mêmes, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se voiler la face, en fait, en copiant, en fait. Il ne faut pas copier les personnes, dans le sens où si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, je veux dire, il n'y a pas de sens, en fait, de se dire je dois prendre l'identité de quelqu'un d'autre, en fait. Donc ne pas porter des masques. Voilà, c'est ça. Éléonore? En fait, moi, par rapport à cette question, ça me fait penser en fait au passage des psaumes, psaume 139, verset 14, où David dit « Je te loue de ce que je suis une créature. » Alléluia. Alléluia. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et en fait, nous devons en fait se positionner aussi en déclarant cette parole, en fait. Et plus on déclare cela, plus, en fait, on gagne en assurance, on gagne en autorité, on gagne en qui nous sommes véritablement en Christ. Et à partir de ce moment-là, en fait, rien ne peut, en fait, venir troubler, en fait, notre regard, ce qu'on a sur nous-mêmes, le regard qu'on a sur nous.
personne ne peut venir fausser, en fait, le regard qu'on a sur nous, parce qu'on sait que, en fait, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Et si nous ressemblons à Dieu, mais ça veut dire que mais nous sommes beaux, forcément. Tu es beau. Donc, toi qui nous regardes, tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu ne peut pas être moche. Moi, considère à partir d'aujourd'hui que tu es une belle personne, tu es une belle créature qui a été créée à l'image et à la ressemblance en fait de Dieu. Et à partir de là, je crois que tu vas en fait redémarrer en fait dans ton estime de toi-même et dans ta confiance en fait en toi. Bien. J'aime bien ce que tu dis parce que ben, finalement, des fois, on a confiance en nous, on a cette assurance, mais ce sont les personnes qui viennent nous casser en fait. Les personnes qui te disent ben, arrête d'être joyeuse, sois moins lunaire, sois moins. Tu en fais trop. Voilà. Et limite, des fois, ben, quand tu es jeune ou bien quand tu n'as pas encore cette assurance en fait, tu vas te dire bon, il faut que je sois calme, il faut que je me tienne bien, il faut que je sois un peu plus réservée. Et vraiment, ben, au final, ça te forge. Quand tu connais vraiment ta valeur, tu te rends compte que j'ai une personnalité, c'est Dieu qui me l'a donnée en fait. Amen. Et que ben, si ces personnes m'aiment quand même, disent qu'elles m'aiment, ben, elles accepteront ma personnalité. Quoi. Et s'il n'y a pas des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, etc., dans ma personnalité, ben, je dois la garder. Quoi. Vraiment, laisser seulement Dieu juger de notre personnalité et retirer ce qu'il a retiré. C'est ça. Lui seul, quoi. Pas seulement les instructions des hommes. Quoi. Amen. C'est vraiment ça. Donc, il y a un volet dans ce que tu dis du fait d'accepter aussi ta différence, en fait, de ne pas avoir peur de ta différence. Parce que si tu dois être toi-même, tu dois réaliser, en fait, que tu as été créé à l'image de Dieu. Mais tu dois, et c'est ce que je trouve beau, c'est que Dieu a créé les hommes à son image, mais regardez comment on est tous différents. C'est là où tu te dis, mais finalement, c'est quoi l'image de Dieu, en fait? On est tous différents, de l'intérieur comme de l'extérieur, on est tous différents. Je pense que Dieu nous a créés. En fait, Dieu est tellement grand et extraordinaire qu'on peut pas, en fait, on peut pas lui donner une seule image. Et je pense que l'image de Dieu, c'est toute sa création. Amen. C'est toute sa création, c'est son image, en fait. Et il faut accepter que tu es différent et que ce n'est pas grave, en fait, d'être différent. Au contraire, que notre différence peut impacter ces personnes, en fait, au travers de ce que, par exemple, ce qu'est Kété, ce que Enoré, toi, ou bien Astrid, ben on va tous impacter ces personnes d'une façon différente. Il faut vraiment se dire que c'est une force, c'est pas vraiment une faiblesse d'être pas comme la dernière personne qui est aux tendances, quoi. Mais vraiment se dire qu'il faut s'accepter et impacter avec ces différences. Amen. Et souvent même, ce sont les hommes, en fait, qui nous font remarquer qu'on est différent. Oui. Ce sont les hommes qui pointent du doigt quelque chose en particulier. Et à partir du moment où ils ont pointé du doigt quelque chose en particulier, on retient ça, on garde ça et on se dit ah oui, en fait, oui, je suis pas comme les autres, il y a quelque chose qui cloche en fait par rapport à moi. Or, ne pas être comme les autres ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche, et je pense qu'il faut vraiment qu'on... Moi, tu vois, quand j'imagine les enfants que j'aurai, surtout les filles, je me dis non Seigneur, en fait j'ai tellement envie de leur donner de la valeur, de leur faire réaliser la valeur qu'elles ont, et je me dis depuis qu'elles sont petites, je vais leur dire tu es merveilleuse, tu es belle, tu es... Franchement, la vérité, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je le répète, regardez, tout à l'heure vous étiez présente quand j'ai eu mon père au téléphone, n'est-ce pas? Et en fait, mon père a l'habitude de me parler comme ça, ma mère a l'habitude de me parler comme ça, mon père était là au téléphone, ça va mon bébé? Tu es belle. mais c'est important de se dire, surtout la base familiale, de pouvoir apporter ça en fait à un enfant, parce que la personne que tu vois qui a confiance en elle, c'est aussi parce qu'on a semé des choses. La personne qui n'a pas confiance en elle, c'est aussi parce qu'on a semé des choses. Et donc il faut réaliser en fait cela, il faut réaliser l'importance de semer de bonnes paroles et que ce soit les paroles qui soient fondées sur la base de la parole de Dieu en fait. Et c'est vraiment cette éducation, parce que souvent on entend parler du cocon familial comme des personnes qui ont été maltraitées verbalement ou été vraiment rabaissées par leurs parents, et vraiment se dire qu'on doit vraiment inverser, que le foyer soit vraiment cet endroit en fait, celui rassurant en fait, où les personnes vont être valorisées, où les personnes vont être éduquées, où elles sauront en fait avant de sortir du cocon, ben, qu'elles sont des belles créatures comme la déesse. C'est vrai. Et non pas être rabaissées, être blessées quand elles sortent du foyer. C'est vrai. C'est sympa ce que tu me dis, parce qu'en effet, moi, par le passé, notamment comme je suis d'origine philippine, donc en Asie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Non, parce que ça se voit pas du tout. Oui, on me dit que je suis métissée, mais bon, voilà. C'est... Ouais, tu dois être un mollet. C'est mon mari. Par alliance. Par alliance. Par alliance. Non, mais en fait, c'est que quand j'étais petite,
par exemple, voilà, enfin, il faut savoir qu'aux Philippines, ils aiment beaucoup. Par exemple, j'avais participé à un concours de beauté pour, voilà, pour les enfants. Ouais, et c'était quelque chose qu'il fallait aussi que je fasse face. Voilà. Et, Miss Philippines, quoi. En plus, wow. Je me rappelle, ma coupe, c'était Miss Faith. Ah, wow. La foi. J'étais prête. C'est ça, c'était prophétique. Mais en fait, je me rappelle quand on préparait, par exemple, pour me coiffer. Je sentais qu'ils étaient, quand on me coiffait, ils avaient un peu un soupir, genre, parce qu'en fait, j'avais les cheveux bouclés, en fait. Mmh. Alors que, malheureusement, on donne ce stéréotype que les Asiatiques, ils ont les cheveux raides, etc. Alors qu'en fait, on est aussi différents. Il ne faut pas croire que les Asiatiques, ils n'ont que les yeux bridés, ils n'ont que les cheveux lisses. Mmh. Mais non, ils peuvent avoir les cheveux bouclés, ils peuvent ne pas avoir les yeux bridés, en fait. Mmh. On peut avoir la peau un peu plus claire, comme moi, par exemple, j'ai la peau mate, mais... Et c'est là où j'ai dû apprendre à me dire que, en fait, je suis différente, mais il faut que je me dise que je suis belle comme je suis, en fait. Et c'est ça aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, mes parents me faisaient comprendre, non, tu es... C'est comme ça, t'as les cheveux bouclés, on va faire avec et c'est tout en fait. Amen. Mais après en grandissant, j'avais du mal encore. Je me lissais tout le temps les cheveux et tout ça parce que je me comparais avec les autres personnes qui étaient de même origine que moi, qui avaient tous les cheveux lisses, donc je comprenais pas toujours en fait. Mais tu loues le Seigneur de ce que tu es, une créature merveilleuse. Amen. Je pense que Éléonore nous a apporté le bon passage, le bon verset biblique. Vraiment pour cette première clé qui est en fait de te faire confiance, pour te faire confiance, qui est d'être soi-même en fait. Ne sois pas quelqu'un d'autre, ne porte pas un masque. Vraiment, assume ton identité, assume qui et tu es. Et puis quand tu veux faire comme quelqu'un d'autre, c'est faux en fait. Ça se voit. En fait, ça se voit en fait. Et c'est moche à voir. Wow. Ça se voit et toi-même tu le sens en fait. Oui, et t'es mal à l'aise. Des fois tu le sens, mais tu fausses le truc, tu te dis. Alors que tu sens à l'intérieur de toi que non, là que tu n'es pas comme toi, ça. En fait. Ce n'est pas toi, tu n'es pas normal en fait. Mais comme tu veux forcément copier sur les autres ou rentrer dans le même mood ou être accepté, ben, en fait tu caches ce malaise qui est à l'intérieur de toi et. Tu fonces juste en fait. Mais t'as même pas les mêmes résultats. T'as même pas les résultats de la personne alors que ça fait exactement la même chose. Exactement. C'est ça aussi. Ça sert à rien au fond. C'est ça. Ça sert à rien. Faut être honnête avec soi. Faut être honnête avec soi. Sois toi-même, ma chérie. On va passer à la deuxième clé. Et la deuxième clé, c'est la deuxième clé de la confiance en soi. C'est le fait de faire de bons choix. En fait, à force de faire des choix, et à force de faire des mauvais choix, ça casse la confiance en soi. Mais le fait de faire de bons choix, au contraire, ça te donne encore plus confiance en toi-même. Parce que, en fait, quand tu vas analyser les résultats que tu vas avoir, la prochaine fois qu'un challenge se présente devant toi, tu n'hésiteras pas. C'est ça. Et c'est ça, en fait, la particularité de faire les bons choix. Maintenant, comment faire ces bons choix, finalement ? Éléonore. Ça commence toujours par moi. Mais parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais en fait, moi, je vais toujours réagir en fait, par rapport à ma relation avec le Seigneur. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui m'a permis en fait, d'être là où je suis aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que avoir une relation avec Dieu, c'est un processus, c'est une école, comme l'apôtre nous dit souvent. Et franchement, ça a été mon cas. Je me rappelle, en fait, au début de ma vie chrétienne, en fait, le Seigneur me donnait des rêves, il me donnait des paroles, il me disait « va dire ça à telle personne ». Et souvent, c'était des choses très intimes, en fait. Et je disais « mais Seigneur, mais pourquoi c'est moi qui dois aller dire ça ?» Et je dis « mais comment faire ?» Et il me redonnait des rêves pour me montrer, en fait, comment je devais le faire. À chaque fois, c'était comme ça. Et finalement, je me disais, bon, comme tu me demandes d'aller faire, OK. Et donc, j'allais, je le faisais. J'allais, j'obéissais. Et plus je le faisais, et plus, en fait, le Seigneur continuait de m'utiliser, en fait. Très bien. Et à partir de là, en fait, ma relation avec le Seigneur, franchement, elle s'est développée de sorte que, me concernant ma vie personnelle, mais en fait, j'ai pris cette habitude, en fait, de prier. En fait, je ne fais rien tant que Dieu ne me dit rien. Ah, yes. Je ne fais rien tant que le Seigneur ne me dit pas, voilà ce que tu dois faire. Tant qu'il ne dit rien, je suis là, en fait, j'attends. Et quand j'ai l'instruction, je sais que quand je vais poser l'acte, en fait, le Seigneur sera avec moi parce que lui-même, en fait, j'ai attendu qu'il me parle
et il a parlé, alors je vais sur la parole en fait qu'il m'a donnée. En fait. J'aime ça. Et c'est comme ça que, bah, en fait, les choses... Tu fais des bons choix et les choses se mettent en place. C'est ça. On n'aurait pas pu avoir meilleure réponse que celle que tu as donnée. Donc, c'est normal que ce soit toi qui aies donné la première réponse, mais je vais laisser quand même l'occasion aux autres, du coup, de nous dire un peu ce qu'elles en pensent. Moi, j'aimerais partager quelque chose. C'est le fait aussi... d'obéir lorsque, par exemple, tes autorités, par exemple à l'église, ou que ce soit au travail, ou à l'école, ou tes parents, par exemple, te demandent de faire quelque chose. Peut-être que tu verras que cette chose a l'air trop grande, a l'air difficile à faire, etc. Mais au final, tu vas voir que quand tu vas la faire, tu vas l'accomplir et ça va te donner une satisfaction personnelle. Moi, par exemple, je me rappelle que quand j'étais à l'école, en fait, en cours, on avait un cours de leadership et comme j'étais celle qui participait le plus souvent et tout, donc des fois, on faisait des petits groupes et on me mettait des fois leader du groupe. Et en fait, malgré le fait que j'étais timide, je ne repoussais pas en fait cette opportunité. Je me disais, ok, là il y a le challenge, je vais l'accepter et je vais y aller. Et à l'église aussi, en fait, on m'avait demandé aussi d'ouvrir un groupe de prière. Et j'ai eu en fait, j'aurais pu dire non parce que j'étais vraiment timide, vraiment prêcher, aller évangéliser, tout ça, c'était pas forcément ce que je voulais et tout. Toi là que je connais. Et en fait, j'ai accepté parce que en fait, j'obéissais. En fait, tout simplement à mes responsables. Très bien. Chez les chantres, en fait, quand tu m'as mis en fait au micro, j'ai juste accepté, j'y suis allée. Et en fait, même si t'as peur, t'es là, tu te dis, oh non, vraiment. Mais en fait, quand tu vois les erreurs, tu es comme moi. C'est-à-dire que même si tu as peur, tu ne montres pas. T'as pas besoin de montrer, tu fais juste la chose. Donc après, c'est là que petit à petit, tu prends conscience. En plus, tu commences à aimer le truc aussi. Moi, j'ai commencé à aimer m'occuper des personnes, j'ai commencé à aimer certaines choses. Et du coup, bah. Après, j'ai continué, en fait, et Ça, c'est une boss lady. Une boss lady qui a bien développé sa mentalité. Parce qu'en vérité, moi, je suis exactement comme toi. C'est-à-dire que on me dit, très souvent, l'apôtre m'a donné des responsabilités dans lesquelles je ne me sentais absolument pas capable. Je t'assure, hein, si tu fouillais dans mon cœur, pourtant, je vais faire ça. Tu vas me voir tu vas me trouver... À l'aise. Mais non, ma chérie, tu sais pas ce que tu fais. Il y a une bataille intérieure. Il y a une lutte intérieure, en fait. Mais en fait, je me dis généralement exactement comme vous. Si Dieu a permis... Oh, je ressens la présence de Dieu. Si Dieu a permis que cette opportunité puisse se présenter à moi, c'est qu'en fait, il m'a équipée pour ça. C'est ça, en fait. Et donc, peu importe que ce soit spirituel ou au niveau du travail, dès que l'opportunité est là et que tu sens le vent du Saint-Esprit dans ton cœur, fonce. Et c'est vraiment ça. Il ne faut vraiment pas, en fait, avoir peur du regard des autres, se dire que je vais finalement rebattre en... ne pas le faire parce que qu'est-ce que vont dire les gens, est-ce que ce sera possible, mais vraiment rester ferme en fait sur sa décision et vraiment pouvoir ne pas être influençable. Et pour ça, j'aime bien le passage dans Éphésiens 4:14 qui dit « Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Donc vraiment, en fait, c'est vraiment ce qui m'a construite, en fait, de me dire que peu importe ce que les gens vont penser, que j'ai abandonné quelque chose parce que ça ne me plaisait pas, donc finalement j'ai échoué entre guillemets, mais au contraire me dire que ma victoire, c'est ce que je fais actuellement, quoi. C'est vraiment ce que je fais qui est ma victoire personnelle. Tu sais, quand je la vois parler, la seule chose que je me dis, je te regarde avec admiration et je me dis, oh, je suis fière de ma douce. Mais non, mais c'est trop une fierté pour moi parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que tu viens d'arriver. Oh là là! Oh, Alessia! Heureux, grâce à Dieu! Ouais, c'est vraiment ça, parce que bien souvent les gens n'ont pas la même vision de l'échec, quoi. C'est vrai. Il faut vraiment se fier à notre vision de la victoire et ce que Dieu a mis en nous, quoi. Amen. Oh, c'est dit. Surtout que les gens sont trop limités, hein. Les gens sont trop limités, faut pas leur en vouloir, en fait, ils n'ont pas forcément... C'est vrai, les gens sont limités, les gens même aussi ont leurs propres blessures, ont leurs propres difficultés, donc quand ils te voient, les gens veulent, parfois en fait, ils remettent sur toi, projettent sur toi leurs peurs, leurs craintes, certains même, ils ont échoué, alors quand ils te voient, ils disent, non, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver parce que eux, ils pensent qu'ils vont pas y arriver, ou bien que eux, comme ils ont échoué, alors tout le monde doit échouer, en fait. C'est ça. En tout cas, ma chérie, il faut faire tes choix.
Amen. Et il faut faire confiance au Seigneur. Amen. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, ça me parle vraiment parce qu'en effet, j'ai eu aussi dans ma carrière professionnelle, j'ai déjà vécu un moment donné où vraiment je croyais que c'était la voie que je devais prendre. À un moment donné, voilà, enfin, je pense que tu te rappelles de, voilà, je suis passée d'un point A pour aller à un point B en faisant une formation, etc. Je ne vais pas trop m'attarder. Vous allez voir les témoignages qu'il y a eu la dernière fois. Et en fait, quand j'ai accepté ce poste-là, je me suis dit, ah, c'est bien, j'ai appris à acquérir des nouvelles compétences, etc. Et malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Un jour comme ça, je ne m'attendais pas du tout. J'apprends que finalement, ils allaient procéder à des licenciements et j'en faisais partie. Et ça, vraiment, faut être vraiment fort. On va surtout faire confiance au Seigneur à ce moment-là parce que le truc, c'est que on peut vraiment se remettre en question, se dire, mais en fait, pourquoi ça m'est arrivé, en fait? Pendant un moment, vraiment, je me suis remise en question. Même à un moment donné, j'avais mes anciens collègues qui m'ont dit, mais non, t'as pas à te reposer, à te mettre en question, tu as de la valeur, tu peux trouver mieux que ça, en fait. Et fallait que je passe par ce processus, comme tu disais tout à l'heure, il y a un processus par lequel tu passes. Et même mon mari, on n'était pas encore mariés, on se connaissait déjà à ce moment-là. Il m'a beaucoup encouragée à ce moment-là. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu trouveras mieux. Et c'est là où j'ai compris quelle était ma valeur, en fait. Je me suis dit, non, je sais qui je suis, qu'est-ce que je sais faire. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai trouvé un poste dans lequel je m'épanouis vraiment. J'ai des nouvelles responsabilités aussi, que d'autres personnes qui ont le même poste que moi, qui ne font pas exactement comme ce que je fais. Et plus j'évoluais dans ce poste-là, c'est là après que j'ai rencontré Christ. Et en fait, j'ai compris que c'est avec ce poste-là qui m'ont permis de pouvoir apporter des choses dans la maison, en fait. Il y a des choses comme... c'est vrai qu'à un moment donné, on a servi ensemble à la maison. Et tout ce que j'ai pu apporter dans le service, c'est parce que j'ai appris dans ce domaine-là. Et je sais que c'est Dieu qui m'a positionné là, en fait. Amen. Voilà. Amen. J'aime bien ce point, en fait. Je pense que il y a cet aspect d'avoir confiance en Dieu dans le choix que tu dois faire. C'est important, en fait. C'est vraiment, je pense que c'est l'une des premières choses qui doit diriger une chrétienne. C'est le fait de se confier en l'Éternel. La Bible va nous dire que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille, travaille en vain. Ça veut dire que ne bâtis rien sans Dieu. Ne fais rien sans Dieu. Amen. Vaut mieux te confier en l'Éternel. Et quand on dit ne fais rien sans Dieu, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est pas juste le jour où tu as besoin de la validation de Dieu que tu vas dire, alors Seigneur, tu valides oui ou non. Tu vas croire entendre la voix de Dieu, tu feras les mauvais choix. Je pense que pour entendre la voix de Dieu sur des projets importants, il faut pouvoir l'entendre sur des projets moins importants. Amen. C'est-à-dire, il faut avoir l'habitude de l'impliquer dans des choses qui sont, qui peuvent te paraître banales. C'est important. Oui. C'est-à-dire avoir une relation régulière avec Dieu où tu questionnes souvent le Saint-Esprit. Ok, Saint-Esprit, alors Seigneur, aujourd'hui, on fait quoi? Voilà, donc je dis, le gars, il est avec toi tout le temps. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc parfois, avec toi, tu dis, oh Seigneur, on dit quoi aujourd'hui? C'est quoi l'actualité du ciel? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais oui, et c'est comme ça même que tu vas connaître en avance les projets, les plans de Dieu. Parce que si tu n'as pas de relation, de conversation avec Dieu, tu ne peux pas connaître en avance les projets. Et du coup, tu ne peux pas faire des choix avisés. C'est vrai, ça. Et quand tu parlais, en fait, je pensais au fait que, en fait, lorsque tu n'as pas l'habitude d'impliquer Dieu au début, c'est-à-dire quand tu commences dans ta carrière, etc., à trouver un emploi, c'est pas quand tu auras, par exemple, l'opportunité d'un projet de 1 million d'euros que tu vas comme ça chercher maintenant à savoir ce que Dieu pense. Tu vas gâcher l'argent. Tu seras mélangé en plus. Tu n'as pas eu le temps de te préparer. Tu n'auras pas eu le temps de te préparer, d'entendre la voix de Dieu, de pouvoir discerner, parce qu'en plus, un projet à 1 million, il y a des batailles différentes. Hein. Ce n'est pas le même niveau de stress. Voilà. C'est toujours commencer au niveau bas pour petit à petit, en fait. Si tu veux faire un projet de 50 euros, parle avec Dieu. C'est ça.
parle avec Dieu. Et un jour, ce sera un projet d'un million d'euros. Il faut prendre tes responsabilités. Et prendre tes responsabilités dès les moindres petites choses, les choses les plus simples, dès le commencement. Ouais. Et c'est important, en fait. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé, mais regardez, quelque chose qui va impacter votre vie, par exemple, vos finances. Tu dois prendre, même quand tu es jeune, tu sais que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, mais tu dois prendre ta responsabilité et faire le bon choix que de donner ta dîme à Dieu. Non, on ne se rend pas compte, mais c'est un choix important, c'est un vrai choix de vie. Que tu sois boss, lady, quoi, entrepreneur, quoi, si tu ne comprends pas qu'il y a une partie de tes finances qui revient à Dieu, tu perds ton temps, en fait. Donc, fais les bons choix. OK. Amen. Troisième clé pour avoir confiance en toi-même. Et ça, c'est une clé extrêmement importante. Parce que c'est la clé qui te fait passer, en fait, de la passivité à l'action. La clé qui te fait passer du rêve à la réalisation, c'est le fait d'oser réaliser tes rêves. Dieu veut que tu sois capable de briser tout ce qui te limite. Oh, mais j'ai peur. Oh, mais j'ai froid. Oh, mais j'ai chaud. Il fait trop chaud dans ce pays. Il fait trop froid dans ce pays. Nous, on nous a dit que vous allez au Canada. On n'a pas dit il fait trop froid dans ce pays là-bas. Je dis OK, on va partir. Il fait trop froid là-bas. Il fait trop chaud là-bas. Je n'ai pas l'argent. Mes parents ne sont pas là-bas. Comment je vais m'en sortir? En fait, le rêve se trouve toujours derrière une montagne à franchir. C'est derrière notre zone de confort. C'est en dehors de la zone de... C'est la pote qui dit ça, en dehors de la zone de confort. Le rêve est toujours derrière cette grosse montagne que tu vois. Tu la vois comme une montagne, mais en fait, ta vie de rêve est derrière. Derrière, justement, dès que tu vois comme une contrainte, quelque chose qui t'oblige et tu te dis, ah non, ça va être trop difficile, c'est que c'est là-bas que tu dois aller. C'est vrai. Et c'est vraiment ça, il ne faut pas, vraiment pas se suffire en fait, d'une vie qui ne nous plaît pas. On sait que ça ne nous plaît pas. On sait que chaque matin, en allant par exemple dans cet endroit, en allant voir ces personnes, ça ne nous plaît pas en fait, mais on y reste parce que c'est confortable, quoi. Alors que si on ose en fait réaliser nos rêves, on ose sortir des sentiers battus, en fait, on se rend compte que finalement, on sera bien et en plus ça nous plaira, quoi. C'est vraiment ça, de pouvoir oser rêver et se dire que on en est capable surtout. Parce que souvent, c'est vraiment les capacités qui nous font défaut et se dire et la vision qu'on a de nous-mêmes, quoi. Ouf, la vision qu'on a de nous-mêmes. C'est ça. Mais ça m'a parlé. Non, mais en vrai. Une expérience que j'ai pu vivre justement avec mon mari, encore, désolée. Hein, elle va parler de son mari, tout ça. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Quand tu es mariée là, c'est mon mari. Le mari là, il doit être heureux en regardant cette émission. Stu, c'est bon, ta femme t'aime, c'est validé. Elle est verrouillée. Mais en vrai, on a eu ce projet quand on a décidé de s'installer ensemble. Les projets immobiliers, ça c'est parfois beaucoup de gens se limitent trop à ce niveau-là parce qu'ils se disent est-ce que je suis capable d'avoir ce montant-là si par exemple on veut acheter, voilà, l'achat immobilier. Ça c'est vraiment quand on voit les montants, on est là en mode mais comment je vais avoir cet argent-là? Mais en fait, il faut juste se poser et surtout se dire en fait, bien gérer ses finances déjà voir comment on pourrait investir dedans, combien ça va nous coûter si on doit prendre un crédit immobilier, etc. Mais tout simplement, il faut oser se renseigner en fait. D'abord, avant de se dire « Oh, je ne peux pas payer ça », prendre le temps de se renseigner, voir qu'est-ce qui est possible ou pas. Au moins, on aura essayé et au moins, ça permettra d'avoir une certaine base et de pouvoir se projeter plus loin en fait. Se dire « Ok, si ce n'est pas aujourd'hui, je peux le préparer ça pour dans quelques mois, dans quelques années ». Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, quand on a commencé à faire nos recherches, on a vu le bien et... Ça aussi, c'est quelque chose où vraiment on a été très connectés. Je pense que c'était vraiment spirituel aussi parce qu'en effet, quand on visite les lieux, c'est pas juste acheter pour acheter en fait. Il faut aussi réfléchir, se projeter même. Est-ce qu'on se voit fonder notre famille dedans aussi. Voilà. Et quand on a visité le bien, ça a matché. On s'est regardé, on a fait. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est celui-là qu'on va apprendre. Et quand on voit sur le plan financier, finalement, c'est faisable. Et franchement, même moi, ce qui m'a gênée depuis le début, c'est de me dire, en fait, quand je paye un loyer, l'argent, elle va où, en fait? C'est ça. Et moi, je me suis dit, non, je ne peux pas mettre de l'argent pendant un an pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Et là, aujourd'hui, quand on voit ce qu'on paye, là, on sait que c'est à nous. C'est
Bien, franchement. Et il faut oser le faire, en fait. Mm. Moi-même, quand je m'installe de l'autre côté. Oh, tu prends la belle vie. Ils sont pas prêts pour moi. Ils sont pas prêts pour moi. Tu prends une belle villa pour qu'on vienne. Ah, c'est ça. Il y en a, ils ont déjà fait leur projet. Tu vas nous accueillir et c'est tout. Ça. Je voulais dire un truc par rapport à cette notion de, d'oser. Mm-hmm. En fait, tant qu'on ne se lève pas pour poser le premier pas, rien ne se fera, en fait. Et c'est ce que tu disais. Tant que vous n'aviez pas décidé en fait, d'aller, de commencer en fait, à faire les démarches, à entreprendre, à aller se renseigner, rien n'allait se faire jusqu'à ce que voilà, le déclic arrive. En fait. Et c'est en fait, ça. Pour oser, il faut se lever. Yes. Pour oser, il faut vraiment prendre la décision de poser, l'acte. En fait. Dieu peut te mettre le rêve, mais tant que tu ne te lèveras pas, rien ne va se faire, le rêve ne va pas se réaliser. En fait. Tu vas continuer et à j'aime rêver. Bien ce, le passage... De Romains 8, 19, la création attend avec un ardent désir. Que tu te lèves. Je dis, mais. Amen. Mais Seigneur, à un moment donné, je dis, mais Seigneur, mais à chaque fois, on déclare ce passage. Oui. Mais on déclare, mais quand est-ce que. Mais on va se laver. Mais c'est toi. Lève-toi, en fait. Tant que tu ne te lèveras pas, mais la création sera là en train de t'attendre. Donc, lève-toi pour que tu sois révélé, en fait, amen. À la création, en fait. Amen. Et pour te lever, il faut oser, il faut prendre cette décision. Amen. Il faut prendre vraiment cette amen. Force que Dieu t'a donnée pour amen. Te lever, afin que la création voit que, en amen. Fait, mais les chrétiens, ils ne font pas que aller à l'église. Amen. Ils peuvent aussi faire ça. C'est ça. Bah, oui, parce que, oui, parce que Dieu est ta force et Dieu te donne, en fait, la force de te lever et d'être révélée, en fait. Amen. Et justement, toi, tu as décidé de te lever et d'être révélée au monde. Et c'est pour ça que tu as écrit le livre Restitution. Et Léonore, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, déjà, pourquoi restitution? Qui doit te restituer? C'est qui a volé chez toi et puis qui doit venir te remettre? Ah, il y a des comptes, il y a des comptes, il y a des comptes. Ah là 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 là, qui doit restituer quoi? Je vais expliquer pourquoi j'ai donné ce titre, en fait. Bon, j'ai décidé d'écrire ce livre, en fait, par rapport à beaucoup d'expériences que j'ai vécues depuis que je suis arrivée en France, avant même, on va dire, pendant ma naissance. Elle à ma naissance. Avant ma naissance, je dois parler des expériences que j'ai faites avant ma naissance. Tu étais où, ma chérie? C'est au ciel. Mais on va dire... depuis ma naissance plutôt, mais les choses se sont dégradées, on va dire, quand je suis venue en fait en France. Et je veux dire que aujourd'hui, je suis sur ce plateau parce que c'est vraiment un exemple, voilà, parce que j'ai osé. Je suis sur ce plateau parce que j'ai osé écrire en fait ce livre. C'est vrai. Le pasteur Grasse ne m'a jamais invité ici. Hein? C'est parce qu'il y a eu restitution. La restitution a frappé. Que aujourd'hui, je suis là en fait, pour vous partager en fait, ce témoignage. En fait. Et pourquoi ce titre? En fait, je me rappelle, j'ai fait un rêve une fois. Et en fait, dans ce rêve, j'étais dans la voiture d'une personne qui m'emmenait, qui m'éloignait en fait, de la ville, qui était en train de m'emmener très loin du regard des autres. En fait. Et jusqu'à ce qu'on arrive en fait, à un endroit où je me retrouve vraiment toute seule dans cet endroit. Avec lui et il a commencé à me dépouiller de tout ce que j'avais. Et j'ai commencé en fait à lui donner tout ce que j'avais. Je lui donnais et puis j'étais là, je me disais, Seigneur, qui va venir m'aider en fait? Je suis toute seule, il est en train de tout me prendre. Et donc, à un moment donné, je jette le regard en fait à l'extérieur de ma vitre et je vois mon père biologique, dans le rêve, qui arrive en fait. Et donc mon père arrive et je vois dans la main de mon père, il y a un sac. Et quand mon père arrive au niveau, à notre niveau, il a commencé à avoir peur et il a commencé à donner en fait tout ce qu'il m'avait pris et mon père a pris à récupérer et a mis dans le sac en fait. Et quand je me réveille en fait, le Seigneur me dit en fait, c'est ça, la restitution en fait, je te donne en fait tout ce qui t'avait été dérobé en fait. Et c'est de là qu'est parti en fait ce titre en fait, restitution. Et donc je me dis... Rien qu'avec l'introduction que tu viens de donner là, je pense ça. Que... Ça donne envie Et donc depuis ce jour, je me suis dit, il n'y a pas d'autre titre, en fait, à donner à ce livre. Wow. Ça va être ça, restitution. Amen, voilà. Amen. Et du coup, pendant l'écriture de ton livre, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu as douté de toi-même, où tu t'es dit, ah, vraiment, moi, Léonore, je vais me lever un matin et puis je deviens écrivaine. Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments comme ça? Déjà, quand le Seigneur m'a invité à publier, en fait, le livre.
quand le Seigneur m'a mis vraiment ce désir, ce fardeau, en fait, d'écrire ce livre, je me posais plusieurs questions. J'ai dit, mais ça commence où, Seigneur? Moi, je n'ai jamais écrit de livre, en fait. Comment est-ce que je vais écrire un livre? Et en fait, plus j'y pensais, en fait, je voyais en même temps l'ampleur que ça allait avoir, en fait, dans le monde, en fait. Wow. Et je me disais, mais si je le sens comme ça, ça veut dire qu'il y a une cause, il y a une raison, en fait, pour laquelle je dois le faire. Amen. Et c'est ainsi que je suis allée acheter un cahier, je racontais aux filles tout à l'heure. J'ai été acheter un cahier, Pasteur Grace, et je me suis posée, j'ai pris mon stylo, dit Seigneur, on y va. Et c'est parti de là, en fait. Du début jusqu'à la fin, il m'a guidée, il m'a orientée, il m'a donné tout ce qui devait être mis, tout ce qui ne devait pas être mis. À un moment donné, j'ai dû faire appel à ma mère, j'ai dû faire appel à des personnes autour de moi pour m'éclairer. Wow. Parce que c'était là, c'était ces éléments, ces points bien précis que le Seigneur voulait, pour lesquels il voulait que j'insiste, en fait. Mm. Et pour dire que, en fait, c'est lui qui m'a guidée, en fait, dans l'écriture de ce livre. Amen. Et je l'ai écrit, et à un moment donné, je me disais, mais ça sert à quoi au final? Pourquoi je l'ai écrit? Donc, les luttes intérieures, là, tu sais. Je me dis, pourquoi j'ai écrit, en fait? Ça sert à quoi? J'étais là, j'ai dit, mais ça sert à rien de le faire sortir au final. Et donc, j'en parle autour de moi, j'en parle à Ingrid, directrice de la com. Yes. Je te salue. On était à une retraite du discipulat. Et puis, c'était vraiment des temps merveilleux qu'on avait passé avec le Seigneur et tout. Et puis, quand on finit, on part et on en parle comme ça et tout. Et puis, elle me dit, mais il en a fait le sortir, en fait. Tu ne sais pas à qui ça va venir. Tu ne sais pas pourquoi, en fait, le Seigneur te met à cœur de le faire. Fais-le sortir. Et franchement, ces paroles et tout ce qu'on avait reçu également pendant ces moments de prière et tout m'ont vraiment travaillé. Et je me posais la question, je disais, mais Seigneur, est-ce que je serais capable de présenter le livre s'il sort? Si on m'invite ici, par exemple sur le plateau de Boss Ladies, est-ce que je serais capable de présenter le livre? Et je me mettais tous ces blocages, en fait, toute seule. Et puis un jour, comme ça, j'étais en train de regarder Instagram et je voyais des influenceuses qui parlaient, qui expliquaient, etc. Et le Seigneur me dit, mais pourquoi tu penses que toi, tu ne seras pas capable de présenter ainsi, en fait, restitution, en fait? Toi aussi, tu peux le faire, en fait. Donc, vas-y, en fait. Et vraiment, tous ces arguments, tous ces événements, toutes ces paroles et tout, ont créé en moi, en fait, un désir, en fait, d'expulser, en fait. Oh. En fait, quand j'ai décidé, comme, en fait, Dieu est avec moi. Et dès le départ, c'est lui qui m'a mis ce désir. C'est lui qui m'a donné de le faire. Et il m'a aidé, en plus, à le faire. Les raisons pour lesquelles, en fait, j'ai écrit se sont réalisées, en fait. Mais écrit, enfin... Libère, lâche, délivre. Message, en fait. En tout cas, et voilà. Et c'était vraiment les douleurs de l'enfantement que je ressentais. Wow, c'était comme si, en fait, là, je suis vraiment à un point où il faut que ça sorte, il faut que les gens voient, c'est ça. Il faut que ça sorte, il faut qu'ils soient lus, il faut que ces témoignages soient entendus partout, en fait. Amen. Donc voilà. Amen. C'est vraiment inspirant et c'est aussi la beauté de cette émission et puis de les Boss Ladies, en fait. Moi, j'aime faire découvrir aux gens, en fait, les potentiels, les carrières, les cœurs, les personnes qui ont vraiment véritablement envie d'apporter quelque chose, en fait, aux gens. Et rien que le témoignage que tu as apporté tout à l'heure, les raisons pour lesquelles tu t'es mise à écrire ce livre, je me dis qu'il y a certainement des femmes qui vont te lire et qui vont se dire, moi aussi, je dois oser parce que mon histoire doit compter. J'ai aussi une histoire qui peut fortifier quelqu'un. Amen. Ben, je souhaite que ton livre soit un succès. Amen. Voilà. Amen. Et maintenant, j'interpelle toutes les Boss Ladies, s'il vous plaît, le 1er décembre, d'accord? Vraiment, allez acheter ce livre. Et si tu permets, quand il sera disponible, tu pourras me passer le lien. Je vais aussi faire une petite com au niveau des Boss Ladies là-bas. Comme on a une petite plateforme qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Merci, Pastor. Avec plaisir. Avec plaisir. Oh, c'est trop bien. Hein. Ouais, y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, en fait, dans ton témoignage pour la sortie de ce livre. C'est que tu as parlé, en fait, des batailles intérieures, des luttes intérieures. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment ce que c'est vraiment de ça que
c'est vraiment ça qu'utilise le diable, en fait, pour empêcher les enfants de Dieu d'être impactants, en fait, de pouvoir bénir le corps de Christ ou bénir le monde. Et en fait, il va te mettre des pensées pour que tu puisses pas sortir le projet, pour que tu puisses pas réaliser ce rêve qui va impacter des vies, en fait. C'est vraiment ça, si tu avais écouté les voix qui étaient dans ta tête et non pas celles de Dieu te disait, en fait, tu aurais été un obstacle au témoignage qui va sortir pour d'autres femmes. Tu aurais été ton propre obstacle. C'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'on est capable d'être notre propre obstacle. On va d'abord échouer, mais on va empêcher d'autres femmes, en fait, d'autres hommes, d'autres personnes, en fait, d'être aussi sauvées, en fait, à travers nous. Et à un moment donné, en fait, je me disais que si ça ne sortait pas maintenant, en fait, après, ça n'aurait pas eu l'impact, en fait, que le Seigneur a voulu donner, en fait, C'est c'est une question de saison. C'est que la saison est là, c'est un temps particulier, favorable, en fait. Et je me rappelle que depuis le début de l'année, je me disais, en décembre, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais fêter en Côte d'Ivoire. Et puis, le Seigneur m'a dit, mais qui t'a donné l'autorisation de partir? Ça fait mal au début. Et en fait, quand j'ai reçu cette parole, en fait, je me suis... recadré, je me suis dit, ok, Seigneur, je reste à ma place, je t'obéis, en fait. Et juste après ça, le désir, en fait, est venu de faire sortir, en fait. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pour ça, en fait. Il fallait que je me concentre pour faire sortir ce projet. C'est pour ça qu'en fait, c'était pas le temps, en fait, d'aller encore en Côte d'Ivoire. Reste, fais sortir ça. Et après, tu pourras aller en Côte d'Ivoire présenter, du coup... ce livre que plein de gens attendent là-bas, d'ailleurs. Et ce que je ressens, ce que je, encore une fois, je retiens dans ton histoire, dans ce livre, c'est le fait que, en fait, tu obéisses à Dieu. Et je pense que c'est une clé importante, extrêmement importante, pour les femmes qui veulent gagner confiance en elles, pour les femmes qui veulent réussir. Et donc, la quatrième clé et la dernière, et justement, on a commencé un petit peu à en parler comme ça, mais c'est le fait de viser à être, en fait, la meilleure version de toi-même. C'est-à-dire que la personne que tu vois maintenant, à l'instant T, bien que tu sois une merveilleuse créature, en réalité, Dieu t'appelle à être à être excellent, en fait. Dieu t'appelle au niveau de l'excellence. Dieu t'appelle au niveau de tout ce que tu fais est excellent. Je prends un exemple. Il y a des femmes, en fait, qui ne s'apprécient pas, qui n'aiment pas comment elles sont physiquement. Mais en réalité, est-ce que tu sais que même physiquement, tu as la possibilité, en fait, de travailler de sorte à ce que ce que le miroir te renvoie te plaît mieux, j'ai envie de dire. Par exemple, c'est pas mon cas, moi, il me trouve jolie avec mes formes. Amen. Je tiens à préciser quand je prends cet exemple. Amen. C'est ça. Je précise quand je prends cet exemple. Pourquoi? Parce que je sais que, en fait, on est dans une société où une femme jolie, c'est une femme qui est mince. Mais bon, moi, je suis pas mince. C'est ça. Je me trouve très jolie. Je suis très belle. Maintenant, si tu es ronde et que tu ne te trouves pas jolie à cause de tes rondeurs, tu peux faire du sport, maigrir, tu peux... Enfin, bref, tu peux changer des choses, en fait, physiquement parlant, pour arriver à la meilleure version de toi-même, ce que toi, tu définiras être la meilleure version de toi-même, en fait. Si moi, ma meilleure version de moi-même, c'est que je sois avec mes joues, là, comme ça, là, c'est bon aussi, tu vois. Et pareil, si aujourd'hui, les femmes, elles ont la possibilité de se maquiller, de faire ci, de faire ça. Si ce que tu renvoies physiquement ne te plaît pas, c'est pas ne plaît pas aux autres, c'est d'abord ne te plaît pas à toi-même. Mais tu as le droit d'améliorer des choses. Et c'est pareil pour ton caractère. C'est pareil. J'ai fait exprès de commencer par l'apparence parce qu'on le comprend mieux. Mais c'est la même chose pour ton caractère, parce qu'au final, ton corps n'est qu'une enveloppe. Mais il y a ton âme. C'est pareil pour ton caractère. Il faut que tu cherches la restauration. C'est-à-dire que les personnes qui échouent assez facilement et qui ne réussissent pas dans la vie, c'est parce que très souvent, au-dedans d'elles, il y a des luttes intérieures qui ne sont pas guéries. Il y a des choses qui ne sont pas restaurées. Le fait que tu n'aies pas confiance en toi, ça prouve simplement qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas restaurées. Ça prouve qu'il y a le cœur de la petite fille qui est encore meurtrie à l'intérieur de toi, qui n'a pas grandi, qui n'a pas mûri, tu n'as pas réglé les insectes. Tu n'as pas réglé la peur, tu n'as pas réglé ce jour-là quand tu as essayé de faire quelque chose de bien et qu'à l'école, dans la classe, le prof, la maîtresse t'a humilié et ça a créé une cassure en toi. Tu n'as pas réglé ce problème-là et du coup, tu n'oses plus
parler, tu n'oses plus faire entendre ta voix. Ou ce jour-là, quand tu as osé une fois parler, on s'est moqué du son de ta voix et maintenant tu n'oses plus parler. Wow. Ou ce jour-là, moi je me rappelle un jour, j'étais petite, je venais d'arriver en France et en fait on m'avait envoyé au tableau et j'avais mal écrit le mot aujourd'hui. Et en fait, on s'était tellement moqué de moi parce que j'avais mal écrit le mot aujourd'hui et que quand je suis sortie de là, je savais que j'étais une fille intelligente parce que j'avais de très bonnes notes quand j'étais au bureau. Et j'arrive là, j'avais mal écrit le mot aujourd'hui et tout le monde se moquait de moi. Et en fait, la confiance que j'avais de moi-même était brisée. Est-ce que vous vous rendez compte que j'étais petite, je me rappelle de ce mot. C'était aujourd'hui. Je l'avais mal orthographié, toute la classe se moquait de moi. Et ça m'avait tellement brisée à l'intérieur de moi que je me disais, mais je suis pas intelligente. Comment j'ai pas pu réussir à écrire le mot aujourd'hui? Et en fait, chaque femme doit pouvoir arriver à ce stade où elle a réglé en fait toutes ces petites choses-là. Où elle a dit, ok, je fais la paix avec la petite fille que j'étais. Amen. Je fais la paix avec la fille qui n'a pas su écrire le mot aujourd'hui. C'est important de faire la paix avec soi-même en fait. Et de se dire, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai fait telle erreur, mais je ne suis plus là-bas. Je suis devenue, je suis quelqu'un d'autre maintenant. J'ai évolué. Tu vois ce que je veux dire? Et ne pas se laisser enfermer. C'est ça en fait. Il faut vraiment en fait régler ces insécurités parce que ça, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment d'y faire face parce que souvent, on va fuir, on va les enterrer, on va se dire ça va pas revenir ou bien ça va revenir plus tard. Mais au bout d'un moment, ça te revient en pleine face, quoi. Et quand ça revient en pleine face, ça fait mal, quoi. Et au bout d'un moment, il va falloir les régler parce que il va se passer des choses où tu auras besoin que ton caractère soit n'est plus cette chose en fait qui te faisait retourner en arrière. Ou bien ces personnes en fait qui te disaient des paroles. Faut vraiment que on travaille cette insécurité parce que ça va nous porter préjudice au final. Et vraiment se dire que faut vraiment faire face autant d'aujourd'hui pour qu'ensuite on puisse vraiment accomplir la destinée que Dieu a pour nous et ne pas être cet obstacle, quoi. Vraiment se dire que ça peut être des pierres que des personnes ou bien des personnes qui veulent du mal vont utiliser contre nous. Et quand tu penses à faire face, je pense même au fait que le manque de confiance en fait que tu as, ça a une source en fait. Il y a des racines, elles ont été plantées en fait. Il y a eu, comme l'a dit au début Pasteur Grace, il y a eu un fait au début qui t'a marqué et qui a créé, qui a détérioré ton image. Et donc en fait, le travail là qui a demandé, c'est de vraiment aller à la racine et de voir, ok, pourquoi aujourd'hui j'ai peur quand je dois parler en public? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était l'origine? Ok, et donc comme ça, tu pourras mieux analyser et tu pourras mieux en fait soigner, on va dire, ces blessures-là avec le Seigneur, bien sûr. C'est ça en fait, c'est vraiment... Amen. Je voulais rebondir en fait sur la meilleure version de nous-mêmes en fait, en lien en fait avec les relations qu'on a les uns avec les autres en fait. La Bible va dire que comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise en fait au contact de son prochain. Et en fait, c'est vrai qu'on peut avoir des frictions, on peut avoir des critiques, on peut être parfois rabaissé par les autres, mais en fait, dans un certain sens en fait, il faut qu'en fait on accepte en fait de passer par cette étape là parce que ça nous aide nous aussi à nous remettre en question et en fait à voir en fait la meilleure version de nous-mêmes en fait. Moi je me rappelle quand j'étais petite, j'avais du mal en fait avec les reproches. La susceptibilité. Oh Seigneur, merci de nous avoir délivré. Merci Jésus pour la délivrance. La susceptibilité. Nous toutes, c'est ouais, non, on est passé par là. Ah ouais. Et tu te dis que tu as raison, mais là c'est la fin de ta vie. J'ai raison, mais tant qu'elle ne vient pas me demander pardon, tant qu'elle ne me parle pas, etc., je reste, je lui dis plus rien, etc. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, avec gloire à Dieu, vraiment, la parole de Dieu, la parole. Par la parole, en fait, le Seigneur en fait, a réussi à faire un travail, je crois, à l'intérieur de chacune de nous et à l'intérieur de toi qui nous regarde, je crois. Aujourd'hui, en fait, tu es plutôt à même en fait, d'accepter les remarques, les critiques qu'on peut te faire. Parce que tu sais que quand tu te positionnes par rapport à cela, ça t'emmène en fait à t'améliorer en fait dans ta relation avec l'autre, dans ta relation avec tes parents, dans ta relation avec tes professeurs, etc.
Et je pense que vraiment la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est primordial. Amen. Amen. C'est primordial. Amen. Et même aussi faire attention aux personnes avec qui tu parles, aux personnes que tu fréquentes. En fait, c'est important d'être avec des personnes qui sont vraies. Oui. Et qui vont te dire la vérité. Ça, c'est quand vrai, ça ne va pas, qu'ils vont te dire, qu'ils vont te dire ah non, ce caractère-là, non, tu devrais changer parce que là, vraiment, c'est, ça va être compliqué. Et en fait, le truc, c'est que si tu restes qu'avec des personnes qui vont te caresser dans le sens du poil, qui vont te dire ce que tu veux entendre, tu ne vas pas progresser. Et tu vas avoir mal à accomplir ta destinée parce que bah, tu ne vas pas pouvoir affronter au final ce que Dieu veut travailler. C'est, et c'est pour ça que c'est important de rester avec des personnes vraies. Quoi. Être bien entouré. Et même la Bible dit quoi, vraiment, vraiment que nos amis, que les personnes qui nous entourent soient vraiment des personnes qui nous corrigent. Quoi. Donc, que ce soit des personnes qui nous embrassent, qui nous traitent comme des enfants, qui nous caressent. Mais au final, ben, on ne va pas progresser. Quoi. On va juste rester dans le stade où nous sommes. Et finalement, ben, ils vont juste complaire à être avec nous et ne pas nous voir évoluer. Quoi. Et vraiment que ces personnes, après, ben, se disent, ah, finalement, il y avait tout ce package qui me plaisait pas, donc tiens, je te le balance. C'est ça. On n'a pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin d'hypocrite dans ma vie. Je suis arrivée à un stade où non. Quand je te regarde, je vois ton hypocrisie de loin. Avec le pasteur gentil, il n'y a pas si longtemps, on avait une conversation. J'ai dit, les hypocrites ne savent pas que parfois, en fait, on leur répond par l'hypocrisie. Moi, tu es hypocrite avec moi, je suis hypocrite avec toi. Non, ne t'inquiète pas, je te donne ce que tu me donnes. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne se rend pas compte que ce sont des manipulateurs, que ce sont des hypocrites, qui sont là parfois que par intérêt, etc. Moi, quand je repère qu'une personne est comme ça, je sais jusqu'où je peux aller avec toi et jusqu'où je ne peux pas aller avec toi, en fait, tu vois. Et c'est important, en fait, d'être bien entouré. Et c'est pour cela aussi que les Boss Ladies existent, parce que les Boss Ladies vous entourent. Les Boss Ladies vous entourent de beaucoup de conseils, vous entourent de beaucoup de paroles de foi, voilà, pour vous faire grandir, pour vous motiver. Et aujourd'hui, vous avez appris en fait des clés pour votre succès, des clés pour gagner confiance en vous-même. N'ayez surtout pas peur, parce que Dieu vous appelle à de grandes choses et à de belles choses. Vous êtes une femme, peut-être aussi un jeune homme qui regarde cette émission, mais Dieu vous appelle à de grandes choses. Tu dois le croire. Tu dois être engagé dans ta réussite, parce que en fait, ne laisse pas les gens s'engager à ta place. Parce que toute personne extérieure qui vient s'engager à ta place s'engagera pour ta destruction. Mais si toi-même, tu t'engages en fait à ton changement, à ta transformation, tu sais que Dieu est engagé avec toi. Alléluia. Amen. Celui dont tu as besoin, ce dont tu as besoin avec toi dans le temps de ta transformation, dans ce processus dont on a parlé aujourd'hui, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te perfectionne, qui te rend parfait, qui te rend perfectible, qui vraiment apporte, en fait, ramène à ton cœur, ramène à ton esprit toutes les bonnes choses que le Seigneur a déposées au-devant de toi. Et véritablement, vous savez, je pense, j'ai eu une conversation avec quelqu'un hier soir qui me disait, oui, j'étais dans la présence de Dieu, je me suis mise à pleurer, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, écoute, il y a deux choses pour lesquelles, soit tu peux pleurer parce que la présence de Dieu est forte. Et donc, c'est une façon, c'est une manifestation aussi de l'onction. Certains, ils tombent sous l'onction, d'autres. Mais parfois, tu vois, ce sont des larmes qui coulent de ton visage. Mais par rapport à l'histoire de cette fille, j'ai su dans mon esprit que ce n'était pas juste une manifestation de l'onction, mais que c'était aussi parce qu'elle est en train de vivre un temps de restauration. Parfois, il faut que tu ailles dans la présence de Dieu et tu cries à Dieu et tu dis, Seigneur, je veux que tu me délivres de telle chose. Seigneur, il y a cette chose dans ma vie, je ne trouve pas la force en fait de m'en débarrasser. Et je lui ai raconté une histoire personnelle. J'avais une situation qui durait longtemps et généralement je pleurais beaucoup à Dieu par rapport à cette situation. Et un jour, en fait, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré en fait. Et c'est pour ça que, en fait, il faut faire attention. Il y a des larmes qui ne sont pas... ce sont des larmes où tu cherches la pitié de Dieu. Et ces larmes-là, ça ne produit rien. Mais il y a des larmes qui sont produites par la foi. Amen. Tu as tellement confiance en Dieu, tu es en train de crier à Dieu. Après tout, Anne, elle a pleuré. Anne a pleuré parce qu'elle voulait, en fait, elle voulait tellement son enfant. Et elle était là, elle était comme une femme saoule qui était remplie de vin et tout, jusqu'à ce que, en fait, le prophète puisse la voir et lui dire, mais toi, tu es pleine de vin. À cette heure-ci de la journée, tu as déjà bu. Et en fait, je me suis retrouvée, en fait, vraiment
en sanglots devant Dieu. Et je criais à Dieu et je disais, mais vraiment, Seigneur, là, je n'ai pas les forces, en fait, pour me débarrasser, supporter ça, surmonter ça. Là, Seigneur, en fait, j'ai besoin d'une force surnaturelle, en fait. Et parfois, vous devez crier comme ça à Dieu et dire à Dieu, mais en fait, par rapport à mon caractère, par rapport à la personne que je suis, tu m'appelles à faire des exploits. Mais Seigneur, en fait, j'y arrive pas. Et en fait, j'ai tellement crié à Dieu ce jour-là. Je vous assure, Dieu m'entend parler. Je n'ai plus jamais pleuré. Wow. Je n'ai plus jamais pleuré. À chaque fois que j'ai fermé les yeux pour prier, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Mais j'ai senti en fait que mes sanglots, mes larmes ne venaient pas de mon âme, que ça venait véritablement de mon esprit. Et j'ai compris que ces sanglots étaient des sanglots de délivrance. Amen. Et c'est ce que j'ai expliqué à la jeune fille hier. Je disais, en fait, il y a des moments comme ça où tu es tellement en train de crier à Dieu, tu es en train de vivre une délivrance. Certaines larmes sont des larmes de délivrance, pas des larmes de tristesse, pas des larmes de lamentation, mais des larmes de délivrance. Et pour devenir la femme que Dieu veut que tu sois, il faut que tu ailles dans la chambre haute et que tu recherches la délivrance de Dieu et que tu dis, Seigneur, tu m'appelles à faire des exploits, mais si tu ne m'équipes pas, mais si tu ne me oins pas, mais si tu ne me remplis pas, je ne pourrai pas réaliser toutes ces grandes choses. J'ai besoin de toi. Et là, en fait, le Saint-Esprit va pousser au-dedans de toi des soupirs inexprimables. C'est ça, en fait, des soupirs inexprimables. Ces sanglots-là que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tu ne sais pas, mais pourquoi j'étais dans cet état, dans la présence de Dieu, mais Dieu est en train de te délivrer. Parce que pour guérir une blessure, on est obligé de la soigner. Et à chaque fois qu'on la soigne, ça fait mal. Et donc, parfois, dans la chambre haute, en fait, tu es en train de prier, mais en fait, tu vas repenser à cette chose, ça va créer une douleur en toi. Mais tu vas shifter, tu vas passer de la douleur à la colère. Amen. Tu vas shifter, tu vas passer de la douleur à la colère. Amen. Quand tu es passé de la douleur à la colère, tu te mets en colère contre cet esprit de timidité. Yes. Wow. Tu te mets en colère contre cet esprit qui t'a gardé, en fait, dans un état où tu ne pouvais rien faire. Tu te mets en colère contre cet esprit d'intimidation dans ta vie. Tu te mets en colère contre cet esprit de dépression dans ta vie et tu te dis non, 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 non. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ma destinée. Aujourd'hui, là, Dieu va me délivrer. Et c'est vraiment ça, voir la gloire qu'il y a derrière cette épreuve, cette bataille, ce processus. Parce que vraiment se dire que quand Dieu nous a créés, nous a pas créés pour la souffrance, il nous a vraiment créés pour que ce qu'il a mis en nous, c'est quelque chose qu'on doit offrir au monde, en fait. Vraiment quelque chose, en fait, qu'on doit offrir à quelqu'un. Et que si nous, on ne guérit pas, cette personne ne pourra pas non plus l'utiliser, en fait. Et vraiment se dire que, certes, ça va pas être facile, mais ça en vaut la peine. Et c'est pour Dieu et c'est pour les personnes qui vont venir. Et nous sommes vraiment, en fait, ces réparateurs de brèches, en fait, comme Dieu a réparé nos blessures, quoi. Vraiment, ne pas être égoïste par rapport à ça et vraiment dévouer sa vie aux autres. Et comme le dit souvent même Pasteur Grace, avoir le fardeau des âmes, avoir la compassion des âmes et vraiment vouer sa vie à ça. Amen. Et faire ce que Dieu, faire la volonté de Dieu, quoi. Amen. Et pour il faut vraiment une révolution interne, comme l'a dit Pasteur Grace. Il faut que tu donne toutes tes forces pour vraiment t'en sortir, en fait, de ce problème qui te gâche la vie, qui t'emprisonne, qui t'empêche vraiment de manifester ce que Dieu a mis en toi. Il faut qu'un jour tu te dises non, là c'est fini. Là il faut que ce problème quitte ma vie, il faut que la timidité quitte ma vie, il faut que je puisse regagner confiance en moi et avancer, en fait. Il faut forcément une révolution. Et quand tu vas sentir vraiment cette révolution interne, c'est là qu'en fait la délivrance va arriver. Allez. Et quand tu te complais dans cette situation, que tu attends toujours que les autres viennent t'aider, que tu attends toujours que les autres fassent pour toi, tu vas pas évoluer. Mais il faut vraiment que tu aies une révolution. Il faut qu'il y ait en toi un bouleversement qui te dit non, je dois sortir de là. Allez. Et c'est comme ça que tu vas sortir de là, en fait. Oh, amen. J'ai envie d'ajouter à tes résolutions, répondra le succès. Amen. On va faire quelques déclarations dans la vie de ces femmes avant de se quitter. Nous déclarons au nom de Jésus que tu es guéri, tu es restauré. Merci pour ta puissance de restauration. Merci pour ta puissance de restauration. Merci pour ta puissance restauratrice, ô Dieu, qui touche maintenant, Seigneur, la personne qui est en ce suivre, ô Dieu, te maintenant. Père, nous parlons la liberté. Père, nous parlons la guérison intérieure. Nous parlons la confiance en toi. Seigneur, merci parce que tu interviens. Seigneur, merci parce que tu touches. Seigneur, merci parce que tu guéris. Seigneur, merci parce que tu restaures. Seigneur, merci parce que tu relèves dans le sang puissant.
nom de Jésus. Merci pour ta puissance, oh Dieu. Seigneur, qui est en train de prendre maintenant, de sommet de la tête jusqu'à la planche des pieds. Seigneur, cet homme, cette femme qui est connectée à ce live. Père, nous parlons, Seigneur, oh Dieu de gloire, que ta grâce, oh Dieu, puisse être localisée là où ils sont, afin qu'ils soient de nombreuses personnes, afin qu'ils soient de nouvelles personnes. Merci pour la confiance en toi. Merci pour la résolution qui prenne. Merci parce que tu lèves et bon Seigneur, oh Dieu, afin d'être révélé au monde dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Nous te bénissons pour chaque femme qui a regardé cette émission. Nous déclarons la grâce, la faveur, la multiplication. Nous déclarons que l'esprit de liberté, l'esprit de Jésus se répand sur chacune d'elles et elles brisent les limitations. Elles s'en sortent au nom de Jésus. Elles accomplissent des exploits à cause de l'esprit de Jésus qui est en elles. Amen. 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 Wow. Amen. Quelle émission! Wow. Ben, merci beaucoup, Éléonore. Ben, je vous en prie, c'est bien plaisir. Avec plaisir, on a hâte de découvrir ce livre. On attend le 1er décembre, la sortie de ce livre. Restez connectés sur les réseaux sociaux, sur les Boss Ladies. Nous vous communiquerons, bien sûr, lorsque ce livre sera prêt. Comme ça, vous pourrez le commander. Amen. Encore merci. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Eh bien, les filles, merci, hein, comme d'hab. Merci à toi pour ces puissantes révélations. Ah, mais non, mais vous aussi, vous avez libéré là. C'était une belle émission. Ah, c'est bien. C'était vraiment une très belle émission et je suis sûre que des femmes ont été impactées. En tous les cas, merci à chacune d'entre vous d'avoir été connectée et d'avoir regardé votre émission Les Boss Ladies Show. Vous pouvez regarder bien sûr les épisodes précédents pour débattre où nous débattons, nous discutons en fait sur d'autres sujets. Nous allons continuer à vous apporter des sujets pour votre épanouissement, votre développement personnel, pour que vous soyez des femmes remplies de courage, des femmes visionnaires, des femmes de foi, des femmes favorisées dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Amen. Sachez également que vous pouvez soutenir notre chaîne de télé Évangile TV. Cette chaîne de télé est juste merveilleuse parce que vous avez des émissions du lundi au vendredi, des émissions qui vous bénissent. Il y a Prayer Bomb, il y a It's Motivational, il y a Push Me Up, il y a EVTV Live, il y a les Boss Ladies Show. Il y a Fit Fresh, Body, il y a Fresh, il y a Partage Ton Histoire, il y a Évangile Hit Music, il Vécure Heureux, il y a tellement d'émissions, mais pour que nous développions encore mieux ces émissions et que nous puissions même agrandir même l'espace dans lequel nous tournons, nous avons besoin de vous et vous connaissez déjà le marathon, le téléthon dans lequel nous sommes lancés par rapport à Évangile TV parce que vous le savez, nous sommes prêts à aller sur les box, sur CanalSat et nous avons besoin de vous, de votre contribution. Alors n'hésitez surtout pas, cliquez sur le lien qui est juste en dessous du player. Vous pouvez participer à hauteur de ce que vous avez, en fonction de ce que vous avez dans le cœur. Vous pouvez envoyer vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Nous avons besoin de vous pour que l'Évangile aille le plus loin possible. J'ai été ravie de présenter cette émission. Aujourd'hui, c'était le pasteur Grâce, votre hôte, avec les chroniqueuses de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Soyez bénis, bye bye. À bientôt.